Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Bénédicte Lebray, donc je suis scientifique à INRAE et donc je travaille sur la qualité des viandes dans la filière porcine et en fonction des facteurs ou systèmes d'élevage qui peuvent l'influencer, donc en particulier ici les systèmes d'élevage biologique. Je voulais vous parler aujourd'hui de travaux qu'on a faits pour identifier des leviers pour réduire les risques d'odeur de porc mâle non castré et donc limiter aussi les inconvénients liés au risque de comportement délétère des animaux de l'élevage de ces porcs mâles non castrés. Tout ça pour aboutir à la fin de la castration chirurgicale dans des bonnes conditions pour les animaux, les éleveurs ainsi que les consommateurs. Donc, nous avons travaillé sur différentes stratégies. En élevage, d'abord le type génétique et le poids à l'abattage. Ce sont deux leviers qui sont connus pour réduire le risque d'odeur liée à l'androsténone, dont on vient de parler beaucoup. Donc, ça a été fait dans le projet européen PILO, qui est quasiment terminé. Et puis, le deuxième levier était la stratégie alimentaire, qui visait ici à réduire le risque d'odeur liée au scatol. Et ça a été fait dans le cadre du projet Casdar-Farinelli. Et c'est Chloé Van Baelen qui va vous en parler juste après moi. Donc, dans le cadre du projet PILO, on a travaillé donc sur les types génétiques et le poids à l'abattage. Alors, pourquoi cela? Parce qu'en fait, la littérature scientifique montre qu'il y a des effets du génotype, notamment de porcs croisés du roc par rapport à des croisés piétrins grand-aine. Donc, ce sont les animaux piétrins non porteurs de l'allèle de sensibilité à l'allotane qui induit des défauts de qualité de viande. Et donc, entre ces porcs croisés du roc par rapport aux piétrins, montre des différences de comportement en élevage conventionnel, notamment chez des mâles castrés ou des femelles, avec des indicateurs plutôt favorables en termes de bien-être pour ces croisés du roc. Et on voulait voir si on pouvait les retrouver sur des porcs mâles non castrés en élevage biologique, donc avec une surface plus importante et puis donc l'environnement enrichi. Les porcs croisés du roc montrent une meilleure qualité de viande, mais des risques d'odeur plus élevés liés à l'androsténone par rapport au piétrin, qui est lui très utilisé, mais qui conduit à une viande de qualité standard et à faible risque d'odeur. C'est son avantage. Donc, il est très utilisé tant en conventionnel qu'en biologique. Et par ailleurs, le poids à l'abattage accroît le risque d'odeur. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, l'objectif de notre travail était de comparer des porcs croisés du roc large white par rapport à des piétrins large white sur des indicateurs de santé bien-être en élevage, les performances de croissance et la composition des carcasses. Et puis la qualité de viande et la teneur en composés odorants, et aussi de prédire le risque d'odeur si on diminue le poids à l'abattage. Donc le dispositif expérimental était le suivant. Donc le travail a été réalisé en station expérimentale INRAE Porganique, donc dans la Vienne, avec au total on avait 81 mâles non castrés, donc répartis en deux bandes avec évidemment chaque génotype à chaque bande. Et donc les animaux étaient élevés, vous voyez le schéma à droite, hein, donc en système biologiques, tous dans la même une case par génotype et par bande, et puis tous dans le même bâtiment, avec donc une zone d'alimentation et une zone sur litière à l'intérieur, puis un accès permanent à une courette extérieure couverte. Il y a les photos en bas à droite. Donc tous les animaux avaient la même alimentation à volonté, avec des régimes croissance et finition, et avaient aussi accès à du fourrage, donc du foin, en permanence distribué dans des râteliers. Nos collègues de l'IFIP ont réalisé des observations de bien-être et de santé des animaux pendant la phase d'élevage. On a évidemment suivi la croissance, réalisé des prises de sang en phase de finition. Tous les porcs ont été abattus en abattoir commercial. On a fait des mesures pour caractériser les carcasses ainsi que la viande et puis des prélèvements pour analyse en laboratoire de la qualité de la viande. Donc, je vais vous présenter les résultats. D'abord, concernant les effets du type génétique. Sur les indicateurs des bien-être et de santé en élevage. Donc ici, j'ai indiqué les principaux résultats qui différaient entre les deux génotypes. Donc le principal résultat, c'est que tout d'abord, il y avait globalement peu de défauts, enfin de problèmes de bien-être et de santé. Et globalement, les animaux avaient plutôt dans des bonnes conditions. On a quand même eu plus de porcs avec un nombre de griffures important pour les croisés piétrins par rapport au du roc en élevage. Et on le retrouvait à l'abattoir sur le schéma à droite, où on voit qu'il y a plus de griffures. Pour les porcs croisés, donc piétrins par rapport au duroc sur les carcasses. Et par ailleurs, on avait aussi plus de porcs avec des lésions à la queue, notamment en fin d'engraissement pour les croisés piétrins. Donc voilà. Donc ces indicateurs suggèrent une moindre agressivité ou moindre comportement de monte des porcs croisés duroc par rapport aux piétrins, donc ce qui est plutôt favorable. Et par ailleurs, un test de relation homme-animal a montré un temps d'approche plus faible pour les
avec un humain non familier pour les porcs croisés d'Europe. Et donc, tous ces indicateurs suggèrent plutôt une amélioration du bien-être des porcs mâles non castrés croisés d'Europe par rapport au piétrain. Sur les caractéristiques des carcasses et donc à l'abattoir, donc les animaux étaient abattus au même âge et donc finalement n'avaient pas d'écart de poids. Donc on avait une même vitesse de croissance entre les deux génotypes avec une consommation alimentaire moyenne et un indice équivalent. Par contre, au niveau des carcasses, on a une légère diminution de rendement en carcasse pour les croisés du roc, ainsi qu'un poids de carcasse un peu plus faible et surtout un TMP qui est plus bas et qui était lié à la fois à une épaisseur de lard plus élevée et une épaisseur de muscle plus faible. Donc ça, c'était attendu, hein, on a déjà bien identifié dans la littérature l'effet, donc l'adiposité plus élevée des porcs croisés du roc par rapport au piétrain, mais on a pu le montrer à nouveau ici sur des porcs mâles non castrés. La suivante, voilà. Donc ensuite, on a les résultats de qualité de viande. Voilà, donc j'ai présenté ici les résultats sur la longe. Il faut savoir qu'on a fait des mesures également dans le jambon et on obtenait les mêmes types de résultats. Donc par rapport aux porcs croisés piétrins, donc les porcs du roc n'avaient pas de différence de pH ultime, qui est un indicateur de qualité très important pour la transformation, hein. Par contre, ils avaient une moindre perte en eau, une luminance plus faible, à valeur L étoile, un indice de rouge un peu plus élevé. Donc ça, ce sont des indicateurs plutôt favorables pour l'aspect de la viande. Et donc, c'est important pour l'attirance du produit, on va dire, par rapport au consommateur. Et surtout, les porcs croisés du roc avaient plus de gras intramusculaire et tendaient à avoir une force de cisaillement de la viande cuite plus faible. Donc, suivante, voilà. Donc, ces indicateurs-là suggèrent une meilleure qualité technologique, donc aptitude à la transformation de la viande des porcs croisés du roc, ainsi qu'une meilleure tendreté. Et donc, on a aussi quantifié les composés odorants dans le gras. Donc, vous avez à gauche la teneur en scatol, hein, en fonction du type génétique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux génotypes pour le scatol. Par contre, au milieu, ici, sur la figure, l'androsténone montre une teneur globalement plus forte pour les porcs croisés du roc par rapport au piétrin. Donc, ça, on l'avait identifié dans la littérature, hein, donc on confirme. Et il faut savoir qu'à l'abattoir, il y a une seule carcasse de porc du roc qui a été détectée odorante et qui est la carcasse qui avait la teneur en scatol la plus élevée, donc le point tout en haut à gauche. Et donc, suivante, on a, à partir de des seuils identifiés ici de rejet de la part des consommateurs pour les viandes en fonction des teneurs en androsténone en scatol, on a quantifié le risque de rejet en considérant les deux molécules ensemble. Et on voit que ce risque est plus élevé pour les croisés du roc, notamment lié au fait qu'ils ont globalement des teneurs en androsténone plus fortes que les porcs croisés piétrins. Et puis, diapo suivante, voilà, donc là, on a travaillé plus sur le poids à l'abattage et on a essayé de prédire le risque d'odeur et de rejet par les consommateurs lié à une teneur en androsténone trop forte. Et ça, on l'a estimé à partir de prises de sang réalisées en finition à différents stades chez tous les porcs, donc entre 85 et 125 kilos. Et en fait, ce composé estradiol, qui est un stéroïde sexuel, est très corrélé à la teneur en androsténone du gras. Donc, on a pu, à partir de ce composé, prédire le risque. Et vous voyez que le risque est beaucoup plus élevé pour les porcs croisés du roc, en noir par rapport aux piétrins qui sont orange. Pour les piétrins, il est très faible jusqu'à 125 kilos et puis d'environ 6% au-delà, alors que pour les durocs, le risque commence à 8% à peu près vers 85 kilos de poids vif à l'abattoir, à l'abattage, jusqu'à à peu près 24% au-delà de 125 kilos. Donc, ces résultats montrent, outre le risque plus élevé pour les croisés durocs, qu'il faut mieux abattre les animaux en deçà d'un poids de 125 kilos. Et par ailleurs, dans les deux types génétiques, on a considéré que le risque lié au scatol était très faible si les animaux sont dans des bonnes conditions d'hygiène et d'alimentation. Et a priori, ce risque lié au scatol est indépendant du poids vif. Merci Bénédicte, je passe la parole à Chloé.
Alors du coup, Chloé Van Valen, je suis doctorante à l'INRA et je travaille sur les qualités de la viande de porc. Et aujourd'hui, je vais plus vous parler des impacts, notamment à travers l'alimentation animale, sur les qualités des produits. C'est un projet qui est financé par l'INRA et la région Bretagne et dont la partie expérimentale s'inscrit dans Farinelli. L'objectif principal de l'expérimentation a été d'évaluer l'effet de l'augmentation des apports en fourrage, en fibres et en ressources nationales dans la ration des porcs, donc dans un système de porcs non castrés qui suivait l'agriculture biologique. On a voulu le tester sur le comportement des animaux, sur les performances de croissance et sur la composition des carcasses. Derrière ça, on a suggéré que la stratégie alimentaire pouvait améliorer plusieurs dimensions de la qualité qui sont présentées à gauche. Et pour cela, on a mis en place deux stratégies alimentaires, donc une témoin qui correspond au strict cahier des charges de l'agriculture biologique et une qu'on a appelée BioPlus, qui est une alimentation plus riche en fibres, en fourrage et en acides gras oméga-3, qui va favoriser le lien au sol à travers des matières premières nationales et auxquelles on a ajouté des fourrages. Donc, sur le design expérimental, ici, vous avez détaillé les matières premières et enfin, les rations. Donc, les matières premières qui diffèrent sont orange entre le bio et le témoin. Donc, sur le bio plus, on a ajouté des tourteaux de soja français, de la févrole, des tourteaux de tournesol, des graines de lin et des tourteaux de cameline. Donc vous voyez aussi les fourrages qu'on a apportés pour le BioPlus. Ce sont des régimes qui sont iso-énergétiques et isoprotéiques qui ont été donnés à volonté pendant toute la phase expérimentale. Et pour l'acide alpha-linolénique, donc qui était un indicateur important pour nous, on a vu que les concentrations étaient nettement augmentées par rapport au témoin pour le BioPlus. Pour le deuxième volet expérimental. Merci. Ici, vous avez les animaux, les conditions de logement et donc les animaux qui ont été utilisés. Donc la station expérimentale a été présentée précédemment par Bénédicte. Donc c'était la station INRAE organique avec une conduite en deux bandes avec 77 porcs qui avaient une génétique à faible risque d'odeur. Donc c'était des piétrains croisés large white. Et donc on avait une case pour un traitement tout au long de la croissance. Et donc ils étaient tous logés dans le même bâtiment. Si on passe maintenant aux résultats. Vous avez un gros tableau, mais je vais le détailler. Le poids vif à l'abattage était d'environ 128 kg et on peut voir que le gain moyen au quotidien n'a pas été impacté par notre régime BioPlus. On avait aussi, pendant la croissance, pas de détection de monte de comportement délétère ou même de maladie. Tu peux afficher, Samuel, il n'y a pas de souci. Et si pour les indicateurs de taux de muscle des pièces et de pH de la longe, donc ils ont été améliorés pour les BioPlus. Donc on a vu des indicateurs du coup qui ont augmenté. Et pour la couleur, la luminance et le potentiel glycolytique de la viande, qui ont eu des valeurs qui ont diminué. Et donc une amélioration de la qualité technologique de la viande si on considère le pH et le potentiel glycolytique ensemble. Pour le profil en acide gras, ici, merci. Pour le profil en acide gras, on a le ratio d'acide linoléique sur acide alpha-linolénique qui a été nettement diminué, donc qui passe de 20,3 à 6,3 et qui se rapproche des recommandations de l'ANSES, puisque c'est un rapport de 5 qui est suggéré. Et donc, ici, ce profil en acide gras suggère une amélioration de la qualité nutritionnelle qui est un aspect favorable pour le consommateur notamment. Pour la partie organoleptique, ici, on s'est intéressé donc forcément aux molécules odorantes. Donc, on les a dosées dans les tissus adipeux. À gauche, vous avez l'androsténone, où on voit aucune différence entre les deux régimes, puisque l'androsténone est majoritairement modulé par la génétique. Par contre, pour le scatol, on voit une nette diminution de la teneur en scatol dans le tissu pour notre régime BioPlus. Il faut savoir que
Aucune des carcasses, donc des 77 porcs, n'a été déclassée à l'abattoir par la méthode du nez humain. Et ces seuils sont pris en. On a en considération les nouveaux seuils, donc à 3 microgrammes par gramme de gras liquide et 0,15 pour l'androcénone et le scatol. Et on a deux carcasses pour les BioPlus, deux carcasses différentes à chaque fois qui dépassent ces seuils-là de rejet. Pour le deuxième volet organoleptique, on a fait appel donc à un institut privé pour conduire une analyse sensorielle sur une viande maturée de 1 semaine avec un jury d'experts entraînés sur une échelle de notation continue de 0 à 10 sur des caractères sur viande crue et sur viande cuite. Pour les indicateurs de viande crue, l'intensité de l'odeur, la quantité de persillé et l'homogénéité du persillé, on n'a vu aucune différence entre les deux régimes. La seule différence qu'on a vue, c'était pour la couleur rouge, où ici, elle a été notée plus rouge pour le BioPlus et qui va être en, qui peut être corrélée avec des mesures directement faites à l'abattoir, qui a été l'angle de teinte qui a été aussi mesuré plus rouge. Pour la viande cuite, en revanche, les indicateurs d'intensité d'odeur, de flaveur, de tendreté, de juteosité et de persistance aromatique, ici, on n'a vu aucune différence entre les deux régimes. Du coup, on n'avait pas de différence significative sur ces indicateurs. Donc, on a réussi à relocaliser les ressources, les matières premières. On a pu améliorer les performances de croissance et les propriétés nutritionnelles et organoleptiques, notamment, ont pu être aussi améliorées. Et finalement, la combinaison d'un système, du coup, vis-à-vis de cette expérimentation, donc d'un système porc mâle entier avec l'agriculture biologique, c'est possible, tout en prenant en compte les difficultés liées aux odeurs indésirables. Donc, on peut les moduler via l'alimentation et les conditions d'élevage.